Vous vous souvenez de la chanteuse Nadia, interprète de Et c'est parti, sortie en 2004, ou encore Rock, sortie en 2006. La chanteuse n'avait plus sorti d'album depuis 2008. Aujourd'hui, après un peu plus de 10 ans de pause, elle est de retour avec un nouvel opus intitulé Odyssée. Non-Stop People est allé à sa rencontre. Accepter les erreurs, la raison des choses. Ça a été un long processus, 10 ans en fait, de process, de voyage et de quête personnelle. Forcément, on se rapproche de soi, se rapprocher de soi, c'est se recentrer, c'est se retrouver, c'est de se renouveler aussi d'un point de vue de la créativité. Dans la foi, le temps de soi. C'est annonciateur de voyage, d'aventure. C'est des étapes aussi, c'est des épreuves, c'est un chemin sinueux et puis c'est surtout un retour. Avancer avec le cœur au nom de sa cause. Top, c'est une chanson qui aspire à vivre ses rêves et à aspirer à une vie meilleure et de ne pas en démordre, quoi qu'il arrive, accepter de prendre des coups. Mais c'est vrai que Top, elle me représente bien. Le possible est impossible, voilà, c'est ça. C'est une phrase vraiment qui m'habite depuis toute petite et qui est complètement la représentation de ce que je suis et que j'essaie de communiquer. La colère par l'indifférence. La boxe, c'est vraiment la victoire de l'esprit sur le corps. C'est vraiment quand vous n'en pouvez plus, il y a cette forme de dignité qui ressort de vous. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le noble art. Cet album, il arrive à un moment où limite la vie fait tomber cet album. Quoi. C'est pas un calcul, c'est pas quelque chose que j'avais prémédité. Cet album représente bien une étape de vie, complètement. L'album Odyssée sera dans les bacs le 22 février.